permettre Dieu à bien mouler, Dieu à bien mettre dans le sac, le qu'on y a à nous joindre, un pays qui voulait acheter Dieu, non, mais nous, même j'avais des yeux là, par exemple, qui m'a dit nous acheter. Mais, aux gens pour produire à présenter pour le vendre. C'est pour ça, bloc de production. Moi, encourager le mouvement ça. Nous, le 17 octobre, je suis allé à la coopérative. Une quantité de tracteurs agricoles. Chaque coopérative a une possibilité pour une quantité de tracteurs. Et nous continuons avec le mouvement parce que Valais la Tibonite, rêve pas nous de mettre dans 4 ans qui viennent, qui était mieux, 50 000 hectares en Valais, dans Valais. C'est rêve, ça, mien. Et nous, avec le travail qui fait, nous commençons, je dis à deuxième récolte là, les partants. Première récolte la fini pour le monde de commencer à planter du riz dans la vallée. Moi, si vous voulez toute vallée, la vallée a tout verte. Tout le monde a planté. Ça fait ça. Parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a une route, parce qu'il y a un moulin pour moulin du riz, parce qu'il y a un tracteur qui est là pour la bourrée. Mais nous voulons chaque bloc de production dans la vallée. Là, nous finissons organiser tête nous. En 500 hectares chaque bloc. Pour chaque bloc, il y a bien 10 tracteurs qui sont là pour servir. Là, ça, ODVA va jouer un rôle pour ODVA faire accompagnement technique là. Pour bon technicien, bon agronome qui accompagne. Même les gens qui font une grosse réunion dans le palais national avec le ministre agriculture et coopération taïwanaise. Nous, blancs qui nous allons ensemble avec nous dans la production, c'est plus monsieur. Moi, clair avec eux pour me dire. Je n'ai pas de question pour nous dire que 2000 tonnes de semences qui vous produisent dans la vallée encore. Notre travail pour l'État produit quantité de semences que le pays a besoin chaque temps qu'il y a du riz pour planter. Ça veut dire nous-mêmes des décisions à nous. Il y a 20 000 tonnes de semences qui produisent dans le pays en tout. Ça veut dire vallée la Tibonite pour y a 12 000 tonnes qui produisent sur l'île. Dans la zone Tobek, pour y a 5 000 tonnes. Pour y a 3 000 tonnes Tobek et 5 000 tonnes dans la zone Maribaou. Parce que c'est trois gros zones de production du riz que le pays a eu. Nous connaissons, le map parlé de Tobek, mon salut du sud qui avait jalousie. Oui, les semences la produit Tobek, la desservi Saint-Saint du Sud, la desservi Plaine d'Abraham dans Nip, le produit dans Maribao, la desservi Moun dans l'Embe qui produit du riz. Le produit dans Vallée la Tibonite, la maman Pemba, la desservi toute Vallée, les paysans. Besoin de semences, poussez pas nos casse-têtes liées. C'est vraiment l'état ça. Et c'est ça que je dis. Je viens de nous, je viens de nous campagne, je viens comment pour me faire nous mettre dans l'assiette, là je n'en pas. Qui pourrait être moulé? Non. Mais je dis, il y a 42 moulins, c'est ça, 42. 40 moulins qui l'a, moulin ça. Si je dis à vous une décision pour l'acheter, il faut que vous ayez une poche avant de monter la machine pour le Port-au-Prince. Dans le Diakoudou, il faut que vous ayez 13 000 dollars, c'est ça? Dollars, hein? Américains. Pour dollars, il faut que vous ayez un Diakoudou pour monter le Port-au-Prince. Sans ou pas payer rien d'avance. Sans ou pas payer un intérêt pour le payer. Il y a zéro. Pendant 3 ans, on paye un petit chose chaque mois, on va prendre 50 intérêts pour payer, et puis moi j'en vais pour. Il y a un aroma et puis il y a une odeur. Okay? Donc, nous voulons faire l'aroma pas pour autant mauvaise odeur. Donc, avec ce système, ça, on a la balle, on a l'aroma qu'on voulait. Et puis, tu as choisi de bien.
Là, nous avons fait du riz en jaune et du riz jaune lui-même, il est complet, ça veut dire pas polylan, il est naturel. Nous avons fait du riz jaune tout, et nous avons fait du riz blanc. Donc là, seulement le même système machine. Tout changement est automatique. En termes de production, plusieurs fait ça. Une capacité de production. Quand cette production-là de matériel qui peut être assez jusqu'à 2,5 tonnes par heure. Et qui amélioration ça va être dans la production du riz en Évalia. Parlez dans vos. Responsable. Ah, c'est maintenant une juste ingénieur pour tout projet. Nous voilà réunis pour procéder à la pose de la première pierre de la construction du nouveau pont sur la rivière Grise de la Croix des Missions. C'est un moment fort dans la vie quotidienne de l'administration communale, une journée mémorable, une date historique. Le temps de l'action conjuguée est venu grâce à la volonté politique exprimée du chef de l'État, en l'occurrence son Excellence M. Jovenel Moïse. Nous allons en profiter pour dynamiser la formule agir ensemble, c'est-à-dire fédéral, gouvernement local, afin de mettre le pays sur les rails du développement intégré. Que les infrastructures routières, par le biais des ponts à jeter, des kilomètres de routes à construire, des rivières à endiguer, des berges des rivières à protéger, des talus des mondes à travailler pour que les voies de communication qui constitue un facteur essentiel pour le développement durable, permettant la libre circulation des personnes et des biens, favorisant l'accès au marché des produits et tissant des réseaux d'échanges dynamiques entre tous les départements du pays. Quand le ministère de l'Économie et des Finances avait déclaré l'ère immédiate du pont de la Croix des Missions, zone d'utilité publique, il avait sollicité l'aide des mairies de Tabar, de la Croix des Bouquets et de Cité-Soleil, pour mettre à exécution les procédures de déguerpissement de la dite zone, à savoir recensement des locaux, identification des occupants, dédommagement et démolition des locaux, et nous en avions prêté les mains fortes. Construire un nouveau pont sur la rivière Grise pour remplacer l'ancien revêt d'une importance capitale pour les départements de l'Ouest, du Centre, de l'Artibonite et du Grand Nord. La rivière Grise joue le rôle de séparateur limitrophe entre plusieurs communes de la région métropolitaine et comme nous le savons, dans un avenir pas trop lointain, avec l'aide du gouvernement central, nous allons construire ensemble deux autres ponts sur cette même rivière, Croix-des-Bouquets, Pernier et le pont de la Route 9 à Cité-Soleil. Par ailleurs, il y a d'autres ouvrages d'infrastructures routières à réaliser. Il s'agit de la construction de deux autres viaducs dans la région métropolitaine. Un viaduc au carrefour de Gérald Bataille et un autre du côté de carrefour Manassa. Par les travaux de construction, de caniveaux et de compactage de certaines voies de pénétration que nous sommes en train de réaliser dans les communes de Tabar, Delma, Croix-des-Bouquets, Cité-Soleil et qui vont bénéficier de l'apport du ministère des Travaux publics en asphaltage, la circulation des dans la région métropolitaine va considérablement améliorer et les grands axes routiers ou liens servis ne remplacent jamais les humains. Nous sommes tous responsables de nos actes et de inaction. Dans un souci constant du respect et de la protection des vies et nos mandants et de ceux et celles qui fréquentent notre commune, au nom de la municipalité de Cité-Soleil, nous nous associons à la cérémonie d'aujourd'hui bien avant aux démarches qui ont abouti à l'accomplissement de ce matin. Les citoyens soleillens nous ont choisi, moi et mes collègues Joël Janéus et Charles Joseph, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie, doter la commune d'infrastructures routières modernes, capables de garantir la vie des passants entre d'emblée dans cette dynamique. Nous attendons avec joie l'arrivée bientôt de la caravane du changement initiée par notre ingénieux président Jovenel Moïse dans le département de l'Ouest.
particulièrement dans ma commune de Cité-Soleil, pour qu'enfin notre commune soit comptée parmi les communes bénéficiaires des investissements publics. Les routes de la première et de la deuxième section des Varilles, le curage de tous les canaux du centre-ville, le drainage du bay de Port-au-Prince qui concerne trois municipales, Carrefour, Port-au-Prince et Cité-Soleil. La réhabilitation de la place Fierté, l'aménagement des terrains de football des Cités Lumière et Leto. Deux, sont autant de travaux qui attendent la caravane. La municipalité de Cité-Soleil et la population soleilienne qui attendent la caravane. La population soleilienne souhaite la bienvenue à la caravane du changement. Une séance de validation des activités et projets de la caravane à Cité-Soleil est prévue bientôt entre les 37 élus. Les principales organisations de la société civile et certains notables de la ville en tout 110 à la salle des assises de la mairie. À qui veut l'entendre, le président ne vient décider préalablement. Des bons... Il s'agit d'un pas décisif et concret que nous sommes en train de franchir ce matin, en vue de mettre fin aux inquiétudes légitimes des riverains et des dizaines de milliers d'usagers qui utilisent quotidiennement ces importants ouvrages desservant plusieurs départements géographiques du pays, tels que l'Ouest et les différents départements du Grand Nord. Jeté sur la rivière Grise depuis 1962, l'actuel pont âgé de 56 ans est en effet à son dernier souffle. Profondément épuisé par l'usure du temps, fortement endommagé par les fréquentes intempéries qui se sont abattues sur la région ces dernières années, ainsi que par le terrible entendement des dettes du janvier 2010, et aussi le manque d'entretien aidant, cette vieille structure métallique n'en pouvait plus. Elle présentait de manière évidente les signes d'un effondrement imminent et constituait de ce fait une menace constante pour la population. Pressuré par l'accroissement incessant du parc national d'automobile, aux tempêtes tropicales, souvent dénivelées ou devenues très fragiles, elle était à plusieurs reprises interdite à la circulation. Les nouveaux ponts qui seront érigés à la fin des travaux répondront à un double objectif. D'une part, rassurer les usagers en leur apportant plus de sérénité et moins de soucis. Et d'autre part, doter les communes de Tabar, de Croix des Bouquets, des Cités Soleil, sous des facilités modernes, sécuritaires, contribuant grandement à améliorer le cadre de vie des habitants des trois communes. Nous allons en effet continuer à œuvrer de façon positive et efficace pour garantir le bon vivre dans la cité. Nous sommes dans le temps de l'action et la volonté ne manque pas. Il n'échappe pas à personne que les voies de communication constituent de nos jours un facteur essentiel pour le développement en permettant une libre circulation des personnes et des biens. La construction de ce pont apportera le sentiment de sécurité pour tous. Cette construction permettra de faire face à certains problèmes de circulation qui peuvent être des contraintes au développement des activités économiques de la population. Cette construction rentre aussi dans une politique d'intégration et de développement. Des ponts en bon état peuvent réduire la durée des voyages, accroître les échanges commerciaux et renforcer la cohésion entre les localités. C'est aussi le fruit d'une volonté de réduire les contraintes majeures dans les transports et accorder une importance cruciale à la construction d'infrastructures.